Salut tout le monde, c'est Opal Cowboy. Alors aujourd'hui, je vous fais une malheureuse vidéo de mon aquarium, plutôt misérable. Alors, que de mauvaises nouvelles malheureusement. Donc je suis partie en vacances et quand je suis revenue, à ma mauvaise surprise, il n'y avait plus grand monde. Alors en fait, quelqu'un venait chez moi pour nourrir les poissons et il devait partir en vacances. Donc normalement, je n'utilise jamais les blocs week-end. Ouais, les blocs vacances, trucs dans le genre. Voilà. Voilà, donc là c'était des week-ends. J'avais dit d'en mettre deux, que j'avais déjà posé à côté de l'aquarium, mais en fait il a oublié de les mettre. Du coup, pendant une semaine, ils ont absolument rien eu à manger. Donc, comme ils n'avaient rien à manger, bah forcément c'était la nature. Là, ils étaient devenus tous des sauvages. Donc, à mon avis, les plus grandes, genre les gouramis, ont mangé tous les alevins, ce qui fait qu'en partant, on a d'à peu près un nombre d'une quarantaine d'alevins, j'en ai plus que deux. Celui-ci qui a survécu, qui a bien pu grandir. J'en avais un autre qui était un peu jaune, il commençait à avoir du mauve sur le corps, il était beau, mais il est mort malheureusement. Sûrement mort de faim, parce qu'il était trop gros pour se faire manger, mais pas assez pour manger d'autres. Donc, celui-là, ouf, on a vraiment beaucoup de chance, il a survécu. En ce qui concerne les gouramis, bah, les femelles, elles ont plutôt apprécié puisque ça leur a permis de se nourrir. Elles ont chassé les petits. Sauf le mâle, lui, il est mort. Déjà qu'il mangeait pas beaucoup, là, il est carrément mort de faim, quoi. Donc, malheureusement. Donc, j'ai plus aucune femelle guppy. Plus aucune. J'ai plus que ces deux mâles. Et d'ailleurs, l'autre mâle jaune et bleu est lui aussi mort de vieillesse. Il était encore vivant quand je suis revenue, mais. Il commençait à vieillir parce que toutefois, quand je l'ai acheté, il était quand même plus vieux que mes autres guppies, mes anciens guppies, qui avaient quand même déjà un peu plus d'1 an. Donc voilà, donc les crevettes, elles, par contre, il n'y a eu aucun souci. Ça leur a plutôt été tout bénef, puisque elles ont pu se nourrir des cadavres, des ceux qui sont morts. Donc le gourami est mort tout juste quand je suis revenu, il vivait encore un peu. Mais pas suffisamment pour que je puisse lui donner à manger. Donc il est décédé. Mais les femelles, elles ont bien survécu. Donc, je vais racheter un mâle, des femelles, etc. Mais ça va me coûter un petit peu cher. Donc, voilà, ça c'était une vidéo malheureusement de mon aquarium qui a subi des dommages. Donc, au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.